Salam alaikum, Azulfillawen, bonjour. Le top 3 d'aujourd'hui sous le titre de Presse et Embrouillamini. Après l'embuscade tendue à un détachement de l'armée à Iboudraren, le communiqué du ministère de la Défense algérienne avance le chiffre de 11 militaires et 3 assaillants tués. Autre son de cloche dans des journaux différents. Si certains ont repris les chiffres officiels, d'autres aussi entre 11, 14 et 16 militaires et entre 1 à 3 assaillants tués. Au-delà de cette terrible tragédie, c'est cette confusion dans le traitement de telles informations qui interpelle. Confusion largement entretenue par cette attitude propagandiste des autorités qui tentent toujours de minimiser les pertes de ses membres, comme si gommer des morts d'un bilan pouvait influer sur l'opinion publique, comme si casser le thermomètre pouvait faire tomber la fièvre. Mais il y a aussi que la presse algérienne a totalement ignoré l'angle le plus important de ce tragique événement. Aucun journal, en effet, ne nous a dit quoi que ce soit sur la nature de ce groupe. Qui est-il? Qui a attaqué l'armée algérienne? Et quelles sont les forces qui le manipulent? Aucun journal non plus ne signale que finalement, cette paix sociale que nous aurait ramenée Bouteflika et qui a été le principal slogan de sa campagne électorale n'est que pure illusion, puisque des enfants d'Algérie continuent de mourir. Puisque leurs familles continuent d'être endettées. À un point où cela s'est presque banalisé dans les esprits. La répression particulièrement brutale des manifestations de Tizi Ouzou lors de la commémoration du printemps à Mazir par des brutes censés être des agents de l'ordre n'a pas été portée à la connaissance de l'opinion publique ou n'a été portée à la connaissance de l'opinion publique que grâce à des citoyens qui ont filmé certaines des nombreuses scènes de brutalité policière et qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Sans ces vidéos, personne n'aurait eu vent de ces graves dépassements et les autorités, comme à leur habitude, auraient eu beau jeu de démentir, voire même de mettre les victimes au secret pour que personne ne puisse constater leurs blessures et leurs traumatismes. C'est cette lourde carence de la presse algérienne qui fait tache. La presse prometteuse d'après 88 qui avait brillé d'un certain éclat au moment de son éclosion n'a pas mis longtemps à sombrer dans les abysses de la désinformation, de la propagande, du mercenariat, au profit des uns contre les autres. La carotte de la pub et le bâton de sa suppression sont devenus les régulateurs de la déontologie journalistique, malheureusement. C'est la course à qui sait capter le soutien de ceux qui contrôlent cette manne. La presse que nous espérions, que nous appelions de nos voeux, s'est transformé en un immense champ de chardons aux épines venimeuses. À côté des mercenaires lancés contre les adversaires du régime, une foule de laudateurs du même régime s'étale sur des colonnes entières. Ils sont les porte-plumes et les porte-voix des clans qui se livrent des guéguerres. Mais s'il n'y avait que cela, certains parmi ces journaux et ces télés ne servent plus qu'à semer la confusion au sein de la société sur les printemps des peuples qu'ils agitent en spectre de dévastation pour décourager toute velléité de contestation politique. Oui, cette presse-là existe et prospère, mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a encore, fort heureusement, des journalistes qui informent, qui débusquent les scandales sans en avoir reçu l'injonction, qui éclaire l'opinion publique, qui dénonce les turpitudes de ceux-là même qui servent la soupe à leurs confrères. Ces médias, journaux et chaînes de télé, nous les saluons. Fort heureusement aussi, aujourd'hui, la presse la plus libre du monde arabe n'a plus le monopole de l'info. Des journaux électroniques fleurissent et rivalisent d'ingéniosité. Ils n'ont pas encore les capacités financières de mener de véritables investigations, mais
En rapport avec leurs faibles moyens, ils sont devenus des sources d'informations relativement fiables, en plus du fait qu'ils accordent des tribunes à des voix étouffées. Mais ils ne sont pas seuls. Sur les réseaux sociaux aussi, les jeunes cassent la baraque. Des chaînes YouTube de qualité, comme AlgeriaSon ou AlgeriaGov, offrent un accès à une véritable information, en plus de révélations, de scandales qui n'obéissent pas à des injonctions de clans. Regardons ensemble cette vidéo, mais elle vous donnera un avant-goût de nos journalistes en herbe qui vont chercher l'info où elle se trouve, juste derrière leur clavier. Mais avant de vous passer la vidéo, je tiens à présenter, au nom d'Elmar Gharibia, au nom de tous mes confrères, toutes nos condoléances aux victimes de l'embuscade qui a été tendue aux militaires dans la région de Tizi Ouzou. Rabbi Irhamam, Inch'Allah. Vidéo aussi. Voilà, donc j'ai les informations qui concernent la page officielle de Facebook de Fafa Khamator. Fafa, parce que c'est résident de Val de Grâce, Fafa Faransa. Khamator, c'est comme un terminator, l'interrogant. Bien sûr, on a Abdelaziz Boutfliqa. Je suis allé comme que vous venez les fans, c'est-à-dire ceux qui se sont abonnés à la page d'Ao. Il y a comme 413 000 qui sont repartis comme suit. 284 000, Medzaïr. 97 585 من تركيا و 5186 من باكستان راك تشوفوا هنايا مصر 3000 و جابوا كتشوفوا هنايا فرنسا و الكوميونيتي الجزائريه قويه بزاف 2200 هذا ميلا في فرنسا باركونت لا تركيا عندنا 97000 بون لي زاناليز كاين بزاف حوايج يقدر يقولهم واحد بصح بور فير كور دونك هنايا تشوفوا كومون سا سي ديرولي دون لو طون ريفولوسيون هنا على الكورب تاع هذوك اللي ساكنين في الجزائر هنا اللي بدات باش تاعو تاع فيسبوك تشوفوا هنايا ليفولوسيون بون هنا كي تشوفوا هنايا ليفولوسيون هذه باينه بلي فيها تخرخيش بعد واحد الديتاي حسابات هنايا فيها بزاف حسابات مي ليسونسييل هنايا كي تشوفوا بلي بين 14 مارس و 18 مارس صدر في 4 ايام فات من 27000 ابوني ولا فان في الجزائر فات ديريكتومون 231000 وهنايا تشوفوا لا بروغريسيون من بعد راهو لحق 230 ميل و بلوز موان استاغنا في الجزائر صغير بلافونا في البلاد هذه لي زاتولي هذوك تاع تشغيل الشباب اللي خدموا ماشي شباب هذوك تاع طريق هذو سي تاع سرابس هذوك اللي عشان كتمر لورديناتور باه يطلعوا له لي زفيرات تاعو باه يبان بلي شغل قوه خارقه تري بوبيلار بون هذه تكون فيها اناليز من بعد بلوز امبورتون سي كتشوفوا هنايا عندها ماشي بزاف شوفوا مليح الباك لا تركي كان فيها 79 ابوني لا دات 7 ابريل لو 7 ابريل لو 8 ابريل قفزه 39000 50000 شاك جوغ سا سي جوغ جوغ بار جوغ لو 10 ابريل 71000 80000 ومن بعد لو 11 90000 لو 12 97000 دونك هذه سي اون كوموند كي تي فات في اطار تشغيل الشباب التركي دونك لي بيترو دولار تاعنا يروحوا في استعمال لي كونت فيرتوييل باش يخدموهم ينشطوهم الناس اللي يبيعوا لك هذيك Et la vidéo continue ainsi à donner des informations très précises, très fouillées sur les méthodes de ces gens, comment ils font pour créer artificiellement des comptes, des pages de ce sympathie, etc. Non seulement en Algérie, mais dans le monde. Et vous voyez donc cette vigilance des internautes, cet enthousiasme et même ce professionnalisme d'une certaine manière. Et il compense largement la carence de certains de nos journalistes. Avec nous, Lakhdar Farrat, journaliste en Belgique. Lakhdar, merci d'être avec nous. Lakhdar Farrat, vous m'entendez, Lakhdar Farrat? Nous vous voyons à l'écran. Hein? Et... Allô? Donc, il semble qu'il y ait un petit souci technique. On va passer à Abdelkarim Jaad en attendant de retrouver Lakhdar Farrat. Abdelkarim Jaad, journaliste. Allô?
Allô, c'est Abdelkrim. Abdelkrim Jihad, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous avez eu l'occasion de visionner cette vidéo sur cet internaute qui avait une enquête un peu sur les moyens qu'utilisent les réseaux de la campagne de Bouteflika pour faire monter artificiellement des statistiques. Oui, je l'ai aperçu, mais comme je ne suis pas très arabisé, il faut le dire. Oui. Donc, j'ai compris un petit peu de quoi il s'agissait. D'accord. Alors, mais je trouve que c'est un travail excellent et surtout, il faut souligner que le travail des internautes, d'une manière générale, est excellent et il reste aujourd'hui la seule contestation possible en Algérie. Oui. Même les partis politiques n'en font pas leur marotte, ils ne s'en inspirent pas. Et donc, il est évident que, vu l'affaissement de toute contestation en Algérie, les réseaux sociaux restent une espérance, combien même tenue, mais elle est là. Avez-vous lu le titre, le journal Le Soir d'Algérie sur le rôle des chaînes de télévision privées? Non, pas du tout, parce que je me trouve à Paris depuis assez longtemps. Ah, d'accord. Donc, il faut vous dire que je suis un petit peu en déconnexion avec la presse nationale. Oui. Je lis simplement le TSA, enfin, c'est un journal en ligne algérien. Oui, est-ce que vous avez eu le temps de lire l'article TSA de Rani Guédoui, le président et le dandy dindan? J'ai lu, non, j'ai lu quelque chose qui est en rapport avec votre thème, c'est sur l'attentat, l'embuscade qui a eu lieu à Ebouraden il y a 2 jours. Oui, 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 justement, et donc, où les journaux ont donné des chiffres complètement farfelus. Oui, mais ça, vous l'avez souligné, c'est une incompétence crasse et notoire de la presse nationale. Oui. Un bon journaliste et un bon journal doivent s'en tenir à des communiqués officiels dans ce cas-là, puisqu'on ne peut pas compter le nombre de morts. Oui. Je dis que, justement, qu'ils ont envoyé quelqu'un sur le terrain. Oui. Qui écrit que les traces de l'attentat sont encore visibles, toutes les traces sont encore là, c'est-à-dire que il y aurait évidemment les bus incendiés, il y aurait les morts sans doute, calcinés, il y aurait des débris de glace, il y aurait du sang encore. Et 3 lignes plus loin, il dit que malheureusement, ils n'ont rien trouvé parce que l'armée a tout effacé. Exactement. Vous vous rendez compte? Exactement. Dans le même exactement. Reportage, à 3 lignes d'intervalle, on trouve la chose et son contraire. Et absolument. Ça, c'est vraiment digne de la presse algérienne, si je puis dire. Oui, oui. Vous savez, quand une presse confond entre centimes et dinars, bon, après, il ne faut plus appeler ça sa presse. Vous pouvez appeler ça n'importe quoi, mais pas presse. Mais dites-moi, Abdelkrim Jihad, vous, oui. qui avez fait partie des rares journalistes qui ont fait les beaux jours de la presse d'après 88, moi, je me rappelle de vos articles, du travail de professionnel que vous faisiez. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Vous savez, on m'a appris tout à l'heure qu'il y a environ 129 titres, je crois, de quotidiens. Oui, 129 quotidiens. Ça ne m'étonnerait pas. Enfin, officiellement, plus qu'on dit qu'il y a 69, mais en vérité, il doit y en avoir beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup de titres qui ne sortent pas du tout des imprimeries et qui vont directement au client. En fait, le pouvoir, la NEP. Et pourquoi font-ils ça? Expliquez-nous un peu pourquoi. Quelques officines, vous savez, quand on veut mettre quelqu'un en retraite, oui. Eh ben on lui dit, allez-y, fais un journal, on va te donner 2 ou 3 pages de pub. Il faut que vous sachiez qu'une page de pub en Algérie, c'est 400 000 dinars. Oui. Donc la personne qui a un journal en Algérie qui ne paraît pas, c'est un journal irréel, c'est un journal pratiquement fictif puisqu'il n'est pas en kiosque, ben il gagne 800 000 dinars par jour. Alors, pour qu'on explique bien à nos téléspectateurs. Enfin, il faudrait dire que la manne provient évidemment de la NEP, hein. La NEP, qui est l'Agence Nationale d'Édition et de Publicité, qui est un organe, un outil, un instrument pour le pouvoir. D'accord. Alors, pour qu'on explique bien à nos téléspectateurs, c'est Abdelkrim. Donc, il y a à peu près 130 journaux pour arrondir. Dans une bonne partie, ce n'est les 3/4, ne sont pas sur les kiosques. Les gens les créent juste pour avoir 2 pages de pub, ce qui revient à 80 millions de centimes par jour. Oui. Et une fois qu'ils les ont imprimés, c'est juste pour distribuer quelques échantillons, quelques... Justifier l'apparition à la NEP. Voilà, juste à la NEP, pour justifier que ça a été imprimé. De l'annonceur. Et après, ils envoient... Au pilon, ils détruisent et ils encaissent 80 millions par jour. Oui. Donc, vous savez, d'une certaine manière, les journaux, les principaux journaux aujourd'hui, soit arabophones ou francophones en Algérie, interdisent aux petits d'être exposés en kiosque. Oui. Sinon, ils retirent, ils menacent les kiosques de retirer leurs exemplaires
dans les kiosques. Mais... Donc il y a, et puis les distributeurs sont une véritable mafia qui, du papier en Algérie. Ah bon, d'accord. Donc tout ça est lié un petit peu et ça fait des beaux jours de certains titres et aussi du pouvoir qui peut avoir un répit, avoir une bonne presse, si je puis dire, oui. à son service. Mais comment en est-on arrivé d'une presse qui était vraiment prometteuse, moi je me rappelle, d'après 88, comme Activité Algérie. Oui, mais souvenez-vous qu'à l'époque, Mouloud Hamrouch a libéré la presse. Oui. Mais il n'a rien libéré derrière. Hein. Vous savez que moi j'ai fait un journal à l'époque qui s'appelait Rupture avec Tarjahoud Lerahmou, l'industrie maîtresse. Et ben, vous savez, le distributeur c'était la NEP. Oui. Le fournisseur de publicité c'était la NEP. L'imprimeur c'était la NEP. D'accord. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire que. Oui. C'est clair. Le journal était pendant. Oui. Au bon vouloir et au désirata de la NEP. Donc. Oui. Il n'y avait aucun corps spécialisé. À l'époque, qui pouvait entretenir l'idée d'une presse libre. Donc elle était paraplégique dès qu'elle était née, cette presse-là était paraplégique. Et puis, en plus, les journaux étaient créés avec les moyens de l'État. De l'État, d'accord. Exactement. Chaque journaliste qui allait rejoindre là, une presse, entre parenthèses, entre guillemets, libre, on lui donnait 250 000 dinars pour qu'il devienne associé. Et voilà. Restez et donc, avec tous nous. Les bourrins, tous oui. Les cloportes, tous les handicapés de la plume sont partis faire des journaux. Voilà. Vous avez aujourd'hui un paysage hétéroclite, complètement déséquilibré, informe et incompétent. Vous ne pouvez pas si bien dire. Restez avec nous, Assi Abdelkrim. Nous revenons à l'Akhdar Farrat. J'aimerais que l'Akhdar Farrat, vous êtes avec nous. Oui, je suis avec vous. Bonjour, il y a eu un petit incident technique tout à l'heure, donc j'aimerais bien que vous commentiez pour nous cette vidéo de cet internaute donc, qui est allé chercher des chiffres et qui a pu démasquer les méthodes de la direction de campagne de Bouteflika. Vous avez vu vous-même cette vidéo, donc. Oui, j'ai déjà vu la vidéo. Je trouve que c'est génial de la part de ce jeune homme de s'intéresser à ce fait nouveau, c'est-à-dire un trafic au niveau international, c'est-à-dire ramener des soi-disant sympathisants du Pakistan, de la Turquie, de je ne sais pas quel autre pays, pour gonfler le site du président candidat. C'est quand même quelque chose de nouveau et d'innovatif, et on n'arrête pas l'innovation au niveau du candidat président actuellement élu selon le ministère par 51 et quelques pourcents, malgré qu'il ne quitte pas chez lui, malgré qu'il ne s'adresse pas aux Algériens, et malgré qu'il est important et qu'il ne pourra pas ou à l'avenir assumer cette tâche aussi difficile. Il a été élu à 81, presque 82%. Mais sinon, que pensez-vous de ces internautes qui occupent maintenant l'espace et qui renseignent mieux que les journaux et mieux que certains chefs de chaînes de télévision que certains maintenant appellent des chaînes mercenaires ou... Je ne veux pas user de mots trop méchants. Enfin, les chaînes actuellement ne sont. Moi, je ne dirais pas que c'est des chaînes mercenaires. Je dirais que c'est des chaînes qui sont qui évoluent dans un contexte économique et social et politique extrêmement difficile, et que une chaîne de télévision demande beaucoup de moyens et d'argent, et que les détenteurs de l'argent c'est toujours le pouvoir. Distributeur de la rente actuellement en Algérie. Je vois très mal une chaîne de télévision qui peut subvenir à ses besoins et faire fonctionner son staff journalistique et son staff de production sans avoir recours à l'aide de la publicité étatique. C'est ça le problème, c'est que l'économie algérienne n'est pas assez riche pour qu'elle puisse générer des ressources pour une télévision privée indépendante. C'est ça le drame qu'il y a actuellement. En ce qui concerne les réseaux sociaux, je trouve que il y a beaucoup de génie chez les Algériens, et ils trouvent beaucoup d'idées et ils s'expriment à travers ces réseaux qui contredisent en grande partie l'information officielle donnée soit par les médias privés, soit par les médias publics. Et je trouve que le pouvoir doit tenir compte actuellement de cette nouvelle tendance
qui s'exprime à travers les médias, les réseaux sociaux, et qui est une tendance plus ou moins à la recherche de la vérité, qui est une tendance qui cherche l'information réelle. Mais il y a aussi d'autres tendances dans ces médias qu'on veut décrédibiliser en Algérie par l'intox et par l'injection de fausses informations, et on a beaucoup aussi. Merci, Lakhdar Farhat. Nous passons maintenant à Miloud, quelque part en Algérie. Ça nous permet d'abord de signaler que de plus en plus de gens que nous connaissons personnellement, que nous invitons, insistent pour ne pas donner leur vrai nom parce qu'ils ont peur. Maintenant, les gens ont peur de critiquer le régime ou de dire leur avis ou de s'exprimer librement. Donc, avec nous, Miloud, quelque part en Algérie. Miloud, si Miloud, bienvenue, merci d'être avec nous. Allô, si Miloud. Allô, oui. Si Miloud, bienvenue, merci d'être avec nous. Merci. Alors, vous avez eu le temps de lire l'article paru sur TSA, le bloc-notes de Rani Redoui, le président et le dandy dindan. C'est... Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir. Je vous remercie, moi aussi. Je vous demanderai de baisser un peu le son de votre téléviseur parce qu'il y a un retour. Oui, oui, je vous en prie. Il faut baisser le son, de toute façon, cette émission sera rediffusée. Hein. Il faut baisser complètement le son. Il y a non seulement le film, mais il y a une mauvaise synchronisation. Oui. Non, nous, on vous entend très bien. Hein. On vous entend très bien. Alors, dites-nous, Similoud, qu'est-ce que vous pensez de cet article dithyrambique ? Et ce monsieur est coutumier du fait, il a l'habitude de... Oui, je vous en prie, allez-y. Avant de passer à l'article, j'aimerais dire d'abord mes sincères condoléances aux 11 Zoundis morts pour la patrie, parce que quand même... pardon ? Oui. Oui, je vous en prie, Similoud, poursuivez. Similoud ? J'ai dit que les 11 Zoundis qui sont morts pour la patrie, je présente mes sincères condoléances, que ce soit au pouvoir militaire ou à leurs parents, et surtout à leurs parents. Et je passe à l'article de monsieur René Guedoui. Oui, je suis en train de parler, je crois. Non, vous m'entendez pas? Oui, on vous entend très bien, Similoud. Ah, d'accord. Alors, parce que je suis en même temps sur la télé, c'est pour ça que... Oui. Alors, je dis que René Guedoui, je pense que ce n'est pas son nom, et moi-même je suis un peu anonymiste. Alors, il dit dans son article, et c'est ça qui me frappe, c'est qu'il dit que nous ne nous prosternons que devant Dieu. Je ne sais de quel Dieu il s'agit. S'agit-il de Dieu d'Allah ou quelqu'un d'autre? Il dit que Bouteflika allait gagner des doigts dans le nez. C'est une image que je ne montrerai pas à mes enfants. Et ça, je dirais que tout le monde savait que Bouteflika allait gagner, ça c'est sûr et certain, depuis qu'il s'est porté candidat à la présidence. Oui. Il parle d'ennemis de la démocratie. Qui sont les ennemis de la démocratie? Est-ce ceux qui se sont portés candidats ou est-ce ceux qui ont voté pour qui votent pour ces candidats? Si Miloud, je vais vous citer quelques passages de cet article que vous commentez. Alors, quelques passages. Le nouveau Bouteflika va apporter une nouvelle dynamique économique qui permettra à l'Algérie de devenir l'un des dragons de l'Afrique et du monde arabe. Plus loin, Bouteflika est le soleil. On aime, on ne craint pas le style métaphorique. Bouteflika est le soleil qui nous a sortis des ténèbres du terrorisme. J'exagère. Quand on aime, on ne craint pas le style métaphorique. C'est l'amphigorique qu'il faut craindre, car il dénote, etc. Plus loin, l'incroyable, c'est qu'il n'y a aucune preuve de fraude, etc., etc., etc. Justement, c'est que ce journaliste prend déjà position
Il est contre tous les autres candidats, et surtout M. Bentelich. Bon, vous tirez près du soleil, c'est un peu le roi soleil, c'est du 14. Là. Et là, c'est gros. Et puis il dit que ce sera le dragon de l'Afrique. Je me demande pourquoi ce dragon ne s'est pas réveillé pendant ces 15 années. Il avait tout le temps de se réveiller et de nous faire de nous montrer son feu. Or, nous ne voyons rien venir. L'Algérie est toujours la même. Elle n'a pas bougé d'un iota. Le chômage existe à un pourcentage extraordinaire. Les jeunes sont complètement oisifs et désœuvrés. Et il y a une mal-vie qui est en train de prendre dans ce pays. Vraiment, c'est malheureux. On aurait pu avancer, surtout qu'avec ce pétrole qui avait monté, qui avait grimpé à 162 $, alors qu'il y a 15 années, ce même pétrole ne coûtait pas plus de 9 $. Et l'Algérie était en cessation de paiement, et quand même, on n'avait pas autant de misère que maintenant. C'est que maintenant, il y a beaucoup de gens qui vivent de poubelles, qui vivent dans un climat vraiment pas serein du tout. Et voilà que l'on nous raconte que ça va être le paradis quelque part qui sera inséré dans ce pays. Merci Miloud. Merci Similoud, en espérant vous revoir bientôt. Je vous remercie et j'espère vous revoir tout le temps chez nous. Merci pour votre courage, même si vous ne donnez pas votre nom. Je sais pourquoi vous ne donnez pas votre nom. Je vous connais personnellement et je vous remercie. Je reviens à Abdelkrim Jaad. C'est Abdelkrim. Oui, oui. Je vous écoute. Comment voyez-vous l'avenir de la presse en Algérie et qu'espérez-vous, vous personnellement, qui avez été un brillant journaliste? Bah, écoutez, en Algérie, il y a des compétences, notre part dans le journalisme, mais qui sont diluées dans des organes de presse. Il faudrait certainement des regroupements aujourd'hui pour faire 2 ou 3 bons journaux, comme en Europe. En France, vous savez, il y a Le Figaro, il y a Le Monde, il y a À peine après Libération qui est derrière. Et ce sont de très 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 bons journaux. Donc s'il y a des regroupements de compétences en Algérie et s'il y a de la formation derrière, nous pouvons avoir effectivement des journaux et qui peuvent même, j'allais dire, défier la censure. Et, comme on l'a fait dans les années 80 avec Algérie Actualité. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, dans un journal qui tient la route comme Le Soir d'Algérie ou L'Ouattane ou Liberté, bah, écoutez, vous avez 3 ou 4 compétences à l'intérieur et tout le reste, malheureusement, oui. C'est du tout venant. Hein, voilà. Oui, mais sinon, cette manne... Ça fait 20 ans qu'ils existent, ils auraient pu organiser des cycles de formation pour leurs journalistes. Vous vous rendez compte que nous sommes un pays pétrolier, nous sommes un pays... Et nous n'avons pas un seul spécialiste algérien en rubrique énergie. Vous vous rendez compte? Ça fait 60 ans qu'on n'a pas un seul spécialiste en énergie en Algérie. Vous on n'a pas un seul une seule rubrique économique qui tient la route. Exact, exact. Vous voyez, donc c'est des problèmes de trop importants. Il n'y a pas que le... Aujourd'hui, tout le monde s'adonne parce que c'est la chose la plus facile et là où on regarde le moins aux commentaires politiques. Mais ce mécanisme... Mais le reste, un journal, c'est d'abord très technique, c'est d'abord de l'information, c'est d'abord de la connaissance. Comme dirait mon ami Vetrev, c'est d'abord un journalisme cognitif, c'est des gens qui pénètrent à l'intérieur des dossiers qui les maîtrisent parfaitement. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on est sommaire, on survole le sujet. Voilà. Oui, c'est Abdelkrim, je vous remercie beaucoup. J'espère que nous aurons l'occasion de lever cet obstacle, cet engrenage médiocrate qui est la carotte de la publicité qui peut se transformer en bâton lorsque le journal ne file pas droit. J'espère que la presse saura retrouver le chemin de la déontologie et de l'honneur. Sur ce, cette émission est maintenant terminée. Je remercie mes 3 invités et je vous dis à demain et merci.